Bonjour Edwige. Maintenant que vous êtes en train d'évoluer spirituellement, vous devez avoir le discernement plus que jamais. Donc, je vais partager les réflexions qui me sont données ce matin. Et par la grâce de Dieu, je voudrais que vous puissiez saisir. La société a toujours été régie par ce que tout le monde fait. La société a été toujours dirigée par ce que tout le monde fait. Non, genre, il y a toujours quelque chose qui est à la mode que tout le monde est en train de faire. Et la raison est la suivante. Ceux qui dirigent, ils ne dirigent pas parce qu'ils ont l'emprise sur vous, mais ils dirigent parce que ils ont la capacité de ne pas tomber dans les distractions dans lesquelles vous et moi, on tombe. Si vous observez bien, dans les 12 mois de l'année, dès qu'on finit un événement, il y a un autre événement qui arrive. Et quand l'événement se pointe, qu'est-ce que ça fait? Ça vient avec une force énergétique. Chaque événement a ses propres égrégores. Chaque événement a ses entités qui l'accompagnent. Et vous ne verrez jamais un événement à l'échelle planétaire ou nationale, continentale, qui a pour but d'éveiller les gens, qui a pour but de rendre les gens riches, qui a pour but de rendre les gens plus conscients. Parce que c'est comme ça que les choses sont régies. Maintenant que toi, tu as commencé ton éveil et consciemment tu as décidé que je veux avancer. Je veux sortir de ce cycle répétitif dans lequel mes parents m'ont accouché, dans lequel j'ai grandi. Parce que nos parents ne nous ont donné que ce qu'ils connaissaient de mieux. Ce qui va se passer, c'est que vous serez sans cesse en train de vous battre contre des forces qui viendront avec un courant donné. Quand Noël arrive, par exemple, est-ce que vous pouvez penser à autre chose que Noël? Est-ce que, à la bonne année, est-ce que tu peux penser à autre chose que la bonne année? Si vous regardez bien, vos idées en permanence sont occupées par vos problèmes, par ce que vous ne pouvez pas faire, par ce que vous pensez que vous ne pourrez pas faire demain ou après-demain. Et le but, c'est parce qu'ils savent que ce sur quoi ton attention est portée,
c'est ça que tu vas produire. Tout ce à quoi tu penses, c'est ce que tu vas accoucher. C'est ça la clé et l'essence des choses, hein. Tout ce qui t'occupe, là comme ça, je n'ai même pas lancé TikTok parce que je ne veux pas qu'on me distrait ce matin. Si on commence à dire, bon, ok, je vous écoute. Vous allez voir, oui, pourquoi ton chapeau est comme ça? Oh, tes ongles sont beaux. Oh, mais pourquoi tu as... Les idées vont commencer à faire comme ça. Alors que les personnes qui posent les questions là n'ont pas mangé, n'ont pas de quoi manger ce matin. Ces personnes peut-être sont en retard dans leur loyer. Au lieu de se demander comment faire pour augmenter mes revenus, comment faire pour canaliser mon énergie, pour ne pas être distraite. Là, par exemple, avant de lancer le direct sur Facebook, je n'ai pas pu m'empêcher de passer au moins sur 10 posts de la canne. Vous verrez que dans les deux prochaines semaines, ce ne sera que la canne dans votre énergie. Une canne qu'on ne va pas donner l'argent pour ça. Comme ils sont partis jouer comme ça là. On n'a pas partagé 500 francs à tout le peuple camerounais. On ne vous a rien donné. Mais on vous sature avec. Bonjour reine. Sylviane. Je vais acheter le maillot. Oh, je dois voir le match. Il faut que je quitte au boulot très tôt pour aller voir le match. Hein. Il faut que je... Est-ce que vous voyez un peu le jeu dans lequel vous vous trouvez? Ta puissance se trouve... Ce n'est pas la mentalité camerounaise seulement. Quand c'est Noël, ceux qui sont en Europe, est-ce que tu peux entrer dans un magasin sans chanter la chanson de Noël? Karine, bonjour. Quand Ganou devait jouer, est-ce qu'on parlait d'autre chose que de ça? Hein? Quand la canne va finir, on va commencer à parler de la Saint-Valentin. Saint-Valentin va finir, une autre chose va sortir. Tu es venu ici là pour faire quoi? Les mêmes choses. Hein? Et n'essaie pas, Fouca. Je vais te bloquer. Je décidais que j'ai fait une semaine sans bloquer les gens. À part les Decepticons. Même à bonne année, tu rencontres quelqu'un le 3. Tout ce qui va te dire, c'est meilleur vœu. Meilleur vœu de quoi? C'est ça. Pour, tu, toi-même qui dis meilleur vœu, tu dis ça pourquoi? Hein? 80% des personnes à qui tu dis meilleur vœu, tu ne les apprécies pas. Bonne santé, bonne ceci, ça ne sort pas de ton cœur. Ne pas vivre son authentique. L'une des choses qui t'arrêtera le plus, l'une des choses qui va te bloquer le plus, tu sais, ce sera quoi? Ce sera de ne pas vivre ton authenticité. À l'aide, le pays ne va pas mal.
Pardon, Alec. Je sens que tu as une énergie très... Le pays ne va pas mal. Tu as même quel problème avec les Camerounais, en fait. Tout à l'heure, tu as commencé à dire que ce sont les Camerounais. Qui sont, c'est-à-dire que ce sont pas les, je ne parle pas d'une situation de Camerounais. Si vous tombez sur ma vidéo, écoutez ce que je dis. Écoutez d'abord bien. Vous êtes sous une manipulation énergétique. Et vous ne faites que ce que tout le monde fait. Vous êtes entouré de gens que vous n'aimez pas. Vous dites des phrases qui ne sont pas « Oh, meilleur vœu !» Tu ne lui souhaites pas le meilleur à la personne-là. Pourquoi tu dis? Et plus vous allez vous élever spirituellement, plus vous allez comprendre, vous n'allez même plus vouloir faire ces choses-là. Quand tu vas arriver quelque part, on va vouloir dire que tout le monde fait ça. Tu vas dire qu'on fait pourquoi? Que j'ai, depuis 35 ans de ma vie, je fais même ça pourquoi? Je mets l'arbre chez moi pourquoi? Hein? Bête. Non, tout pour moi, c'est l'argent, mamie. Je dis qu'il est bloqué par les gens, mais bête, tu me vois dans l'obligation de te bloquer. Tu as compris? Je n'aime pas lire les pauvres. Je suis quitté de TikTok parce qu'ils ne voulaient pas avoir ça aujourd'hui. Et je ne suis même pas vous tenter de vous demander l'argent. Ouais, elle est traumatisée. Mais je ne sortirai pas de ce que j'ai dit. Vous devez comprendre en fait que... La preuve, il y a des moments où tu quittes de là où tu es. Tu vas dans une ville pour 4 jours. Tu pars dans un autre environnement pour 4-5 jours. Tu vois comment ton esprit devient paisible. Pendant les 4 jours là, tu vois comment tes projets commencent à venir. Tu vois comment tu... Après, quand tu reviens dans ton environnement initial, tu descends. Il y a quelque chose qui se passe. Tout être humain manifesterait la richesse. Tout être humain deviendrait riche. Vous tous qui m'écoutez là, je me rappelle l'une de mes premières questions spirituelles que j'avais. C'était, est-ce que l'être humain est... Voilà, c'est une question que j'avais. J'avais 9 ans, je partais à la catéchèse. Je me suis arrêtée un jour, j'ai dit, si on prend un Camerounais, on le lance en Chine, est-ce qu'il va parler le Bajoun? Ah, c'est la question que j'avais quand j'avais 9 ans. En fait, je me demandais si ce qui sort de la vie de quelqu'un dépend de son environnement. Et ma propre réflexion m'a poussé. Je dis, non, s'il reste en Chine, personne ne va lui apprendre le Bajoun. Il va forcément parler le chinois. Et j'étais avec les enfants de mon âge, je ne pouvais pas leur demander ça. Bah, ils savaient que quand ils avaient posé, ça va pas avoir un sens dans leur tête. Bah, j'ai grandi à Tongan. Et c'était dans des conditions, je dirais, de pauvreté. Donc j'avais beaucoup de questions dans ma tête. Toi, quand tu es là aujourd'hui, tu souffres. Si on t'avait... Supposons que tu avais été adopté par Angelina Jolie. Hier, je regardais... une minute, s'il vous plaît. Il y a un appel urgent. Allô? Bonjour. Oui, tu sais que je suis là debout depuis. Dis-moi. Je t'écoute. Oui, allô, je t'écoute.
Bonjour. Je suis debout depuis. Allez, dis-moi. Oui. Oui, j'ai parlé déjà au monsieur, donc je passe là-bas tout à l'heure. Je sors de chez moi à 8 heures. D'accord. Je regardais donc la fille d'Angelina Jolie. Je m'en fous du pays d'où elle est. Éthiopie, on s'en fout. Mais le but, c'est quoi? Je voyais cet enfant et quand je regardais l'enfant, je regardais la mère. Je disais physiquement, elles n'ont rien à voir l'une envers l'autre. Mais je suis sûre que le caractère ou les habitudes de cet enfant sont exactement ceux de sa mère. La souffrance que tu souffres actuellement. Et vous pensez peut-être que tout le monde fait comme on fait sur Facebook. Vous pensez que tout le monde est dans la canne, tout le monde est dans dans Christmas. Il y a des gens qui ne sont pas dans votre réalité des réseaux sociaux. Donc, ils ont développé leur système avec lequel ils vivent. Vous seriez choqués de comment ils manifestent les choses. C'est naturel pour lui. L'affaire de janvier, là, vous avez pris ça au-dessus des réseaux sociaux, non? Il y a des gens qui ne connaissent pas le mot là. Pour lui, il sait que bon, l'argent va entrer. Bon, je ne sais pas comment il peut dire. Si ce que je manifeste est influencé par ce que j'écoute, ce que je permets, qui j'imite, pourquoi ne pas apprendre à me discipliner? C'est comme ça que j'ai commencé à croire que je pouvais vivre différemment de ma famille. La vie que je vis aujourd'hui, dans ma famille, en attendant que... Dans ma famille paternelle, on a eu une personne qui a percé, qui a été connue mondialement dans le football. Le petit frère de mon père. Il jouait avec les Eto'o. Donc dans leur génération, c'est lui. Dans notre génération, on n'a pas encore quelqu'un qui est connu mondialement, qui est connu mondialement. Parmi mes cousins, mes cousines, petites soeurs, petits frères. Et je me rappelle quand je partais souvent chez mon oncle. Mon oncle a toujours une façon différente de penser de nous. Pas qu'il pense mal de nous, mais sa façon de penser est différente de celle que j'entends généralement dans la famille. Vous savez que les familles ont toujours une façon de faire, un train de penser. Vous les connaissez avec les commérages. Toute famille a le commérage, je n'ai pas dit que c'est la seule famille. Toute famille a les divisions. Où on veut que les enfants de telle personne... Toute famille a les ennemis communs. Il n'est pas dans ça. En fait, il est seul sur son île. Il aime regarder National Geographic. Après, il s'est marié. Son mariage a fait beaucoup de tabac. C'est tabac, si c'est tapage, si c'est quoi où. C'est l'homme le plus cool de ma famille. Si mes oncles écoutent ça, ils vont être jaloux. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu de l'aisance avec lui parce qu'il a toujours été vrai. Toujours été vrai. À contre l'hypocrisie que j'ai vue dans ma famille, c'était un degré. Tu sais qu'en tant qu'enfant, parfois, les enfants s'attendent à ce que les parents soient. Donc, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu vois, quand tu te rends compte que ton père fait la politique, ça fait bizarre, non? Je sais vraiment que c'est pas seulement mes parents qui font la politique, non. Parfois, on grandit, on a une image de ceux qui nous ont élevés. Et quand cette image ne correspond pas totalement, ça nous déçoit un peu.
Surtout quand ça ne fait pas partie de qui nous sommes. Tu peux être sorti du sperme de quelqu'un. Mais tu ne veux pas, tu choisis de ne pas avoir le caractère de la personne. Tu peux avoir une femme qui a 3 enfants. Et c'est une femme qui elle aime trop les problèmes, elle ment beaucoup. Son dernier enfant n'est pas lui dans ça. Ce genre d'enfant qui va dire, maman, mais maman, maman a dit qu'on dit qu'elle n'est pas là. Tu lui dis, va, tu dis à la mère là que je ne suis pas là. Oui, maman a dit qu'elle te dise qu'elle n'est pas là. Et ça, si vous voyez un peu. Pourtant, le premier et le deuxième enfant, peut-être, ils arrivent à facilement mentir. Généralement, les choisis sont ceux-là que dans les familles, quand vous êtes arrivé dans la famille, vous, parfois tu te demandais même si tu es de cette famille. Parce que la façon de faire de cette famille et les idéologies que toi, c'était en toi, tu ne voulais pas donc. Ils font la réunion familiale, par exemple. Tu arrives, tu vois comment ils font. Telle personne se lève, il parle. Je vais aider mes neveux. Tu sais que l'année passée, là, il vous a dit comme ça, là. Dès que vous lui avez demandé, il vous a mis au champ. Il revient en août. Oui, c'est... Mais je veux aider mes neveux, hein. Oui, je veux... J'ai un oncle comme ça, là. Très gros parleur. Voilà, tu te... on dit que tu es trop bête. Un oncle très gros parleur. Parleur. Mais, quand il faut mettre en pratique, il n'est plus là. Donc, vous allez vous rendre compte que ces choses, et je vous ai dit hier dans le direct que toutes les personnes que vous voyez, ils sont célèbres, ils sont connus aujourd'hui. Au fond de leur cœur, ils ont un bon cœur. Si tu as approché une célébrité, il t'a repoussé. C'est l'abus de confiance des gens qui ont fait que la personne devienne comme ça. Mais au fond, cette personne est bien. Dieu élève rarement. Dieu élève rarement les gens qui ont un mauvais cœur. C'est pour ça que vous allez voir la majorité de ces personnes. Après, tu vas entendre qu'elle a fait œuvre caritative ici. Leurs œuvres caritatives sont vraies. C'est des œuvres réelles. Quand tu vois quelqu'un, peut-être pas, bonjour, darling. Pas peut-être, oh, je suis parti faire le don dans tel endroit. Même si on médiatise, que c'est pas, la personne, ce que vous voyez là, c'est seulement le peu de ce que la personne fait. Même notre frère, la paix à son âme, Cabrel. C'est l'une des rares personnes connues au Cameroun que moi j'ai connues. C'est quelqu'un qui ne... Donc, il te voit, il va s'arrêter au moins, te conseiller pour quelques minutes. Quand vous voyez souvent là les vidéos qu'il faisait là, puisqu'il appelait un petit comme ça, il gronde le petit, il dit que ben voilà. C'est comme ça qu'il était. Devant la caméra comme hors caméra. Quand tu es clair dans ton cœur, deuxièmement, tu apprends à ne pas suivre le courant, le flot de tout le monde. Et nous sommes dans une époque où les gens vont devenir célèbres pour rien. J'étais sur la page d'un jeune homme hier. Quand tu vois, tu cherches même que qu'est-ce qu'il a de particulier, il ne fait rien dedans. Pour rien, les gens vont devenir célèbres. Parce que le cœur de la personne. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que tu veux aussi aller faire. Je vous ai dit qu'actuellement, là, on va beaucoup parler de la canne. Quand tu te lèves, si tu veux te comparer, il y a des gens qui ont acheté le maillot. Tu n'as pas encore acheté, non?
tu vas vouloir te sentir mal, non? Est-ce que tu sais que ta préoccupation devrait être le business que j'ai lancé, c'est, et en novembre ça a chuté là, comment est-ce que je peux le relancer? Est-ce que tu sais que c'est, normalement c'est de, ça, ça devrait être ta préoccupation? Parce que tout ce dans quoi tu mets ton énergie, peu importe, ça va donner. Résister à l'envie. Parfois, quand on regarde même ce qu'on dit que bon, voici comment on se pense souvent, hein, bon, c'est quand même Noël, non, sortons. Sortons. L'énergie que tu dépenses en boîte de nuit en une soirée, c'est l'énergie qu'il te faut 3 mois pour récupérer. L'énergie que tu dépenses par jour quand tu te lèves sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu as une énergie vitale pour faire tes choses. Dès que tu ouvres les yeux, tu dis, je passe seulement pour mettre mon alarme. En passant, tu dis, oh, intéressant. Ah. Tu commences à regarder. Tu commences à regarder. Voilà, on disait quand tu étais petit, on disait que tu fais trop comme les blancs. Et le but de ces personnes-là, généralement, ce n'était pas pour t'aider. C'était un but de critique, en fait, dans le but de te critiquer. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est quoi? Oh. Tu es né en sachant ce que tu vas devenir. Tu n'arrives pas à manifester cela parce que il y a un courant, un flot énergétique. C'est comme une rivière dans laquelle on te jette. Et le courant est très fort. Si tu ne fais pas attention, tu ne seras pas ce que tu as vu. Parfois même, tu ne sais pas encore ce que tu seras. Mais il y a quelque chose en toi qui te dit que ce ne sera pas ce que tu vois. Les taudis, c'est là. Je ne suis pas censée vivre. Dès que tu vas la rendre over, quelque chose en toi. Quelque chose en toi. Et ce quelque chose-là, c'est ça ton guide. Maintenant, depuis que vous avez commencé le lavage au sel, vous allez voir que votre sensibilité spirituelle est en train d'augmenter. Vous devez m'envoyer 1 800 000 sur ce compte-ci. Divisé comme vous pouvez, vous envoyez 1 800 000 en tout. Donc commencez les envois dès maintenant. Le lavage au sel que vous avez commencé
c'est un peu comme si progressivement, parce que n'oubliez pas que le lavage au sel est associé avec tes prières, avec ce que tu désires. C'est un peu comme si tu te lèves le matin, tu fais ça là. Le lavage au sel fait comme ça là. Ça te refocus. Après, tu fais encore ça là. Après, ça fait encore ça. Donc, imagine, tu te refocalises deux fois par jour. Pendant un an, deux ans, trois ans. Qu'est-ce qui se passe? Si je te dis que ce que tu gardes dans ton esprit, ça peut sortir dans ta vie. Tu peux avoir. Maintenant, ils viennent avec les distractions. C'est pour ça que tout au long de l'année, et croyez-moi, les gens qui sont haut placés ne sont pas trop dans vos fêtes-là. Ces gens-là travaillent même souvent les jours de fête. Les gens qui vont manger le vrai argent de la canne, ici, là, ils ne sont pas dans les stades. T'es fou, non? Ceux qui ont mal le vrai agent de la canne, là, ils sont pas dans les stades en train de sauter. Même sur les réseaux sociaux, ils ne sont même pas abonnés. Parce qu'ils ont compris que leur énergie est faite pour se concentrer et manifester vous qui venez acheter leurs choses. Vous comprenez? Quand tu vas commencer à te détacher de ton ancienne façon d'être, tu verras que plus tu vas te concentrer spirituellement, moins tu auras envie de faire ce que tout le monde fait. Quand on va lancer une trend, vous voyez, je fais rarement les trends. Je ne sais pas, I just don't. Mon corps ne peut pas se... Faites vous allez remarquer aussi, ceux qui me suivent depuis un bout et vous commencez, vous allez commencer à travailler sur vous, vous allez voir que très souvent vous allez avoir des envies de ne pas, de vous déconnecter. La solitude va être quelque chose que tu vas désirer. Il y aura aussi l'entrepreneuriat qui va venir. Tu vas avoir une idée, tu vas vouloir la mettre en pratique. Ce sont les caractéristiques là-bas. Tu vas, je ne sais pas comment vous dire ça. Même le mariage. Beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, tu as envie de te marier et tu ne connais même pas ce que le mariage implique. Les personnes haut placées, ce sont les personnes que quand elles veulent prendre une décision juridique, comme aller signer un contrat de mariage, elles ne le font pas parce qu'elles ont vu ça sur les réseaux sociaux. Elles le font en ayant pris conseil d'abord. Imaginez ce que vous serez devenu si on vous avait appris dès l'enfance à ne pas suivre tout le monde. Je veux me marier. Tu veux te marier pourquoi? Dans quel but? Je ne veux plus être seule. Pourquoi tu fuis la solitude? Je cherche le travail. Pourquoi tu ne veux pas créer des activités qui vont employer des gens?
Mon but, c'est de vous faire comprendre ce qui vous arrive. Parce que beaucoup d'entre vous qui me suivez et qui faites, vous avez commencé à faire ce que je dis. Vous êtes en train de... Il y a un tiraillement dans vous. Vous avez un tiraillement intérieur. Un tiraillement énorme. Pas petit. Hein. Bonjour, bonjour, Carole. Je n'ai plus envie de... Mais avant, je voulais travailler pour quelqu'un. Pourquoi soudainement, je n'ai plus envie de travailler pour quelqu'un? Oui, ça, c'est le sac que j'utilise tous les jours. C'est devenu mon quotidien. Je n'arrive plus à voir... J'avais un sac Louis Vuitton, je ne sais même pas là où c'est. Je crois que j'ai laissé ça à Abidjan. Ça doit être chez moi à Abidjan. Je n'arrive plus à porter les marques. Bon, pas grave. Donc, vous allez voir que je crois que les gens de votre entourage vont vous dire que vous avez changé. Ce n'est pas que vous avez changé, vous êtes... Oh, comment je peux vous dire ça? Vous ne voulez plus suivre d'autres choses. Ah, vous trouvez vos réponses en moi. Ok. C'est un honneur. Tu vois, souvent, quand tu veux faire une révolution, si tu es seul, tu dis, allons-y dans une salle pleine de personnes et personne ne te suit, on te regarde, genre. C'est différent de cette situation-ci. Tu dis, allons-y. Il dit, oui. Le fait que tu comprennes que tu n'es pas seul, ça te donne plus d'énergie. Ça te donne plus de force. Et pour l'instant, on ne peut se connecter qu'à travers les réseaux sociaux. On n'est pas encore assez puissant pour pouvoir se voir physiquement. Donc, on se voyait d'abord dans l'invisible. Beaucoup d'entre vous, on se connaît dans nos rêves. Ça, c'est un peu plus... Je commence un peu à descendre un peu spirituellement. On se connaît dans nos rêves. Beaucoup d'entre vous, quand on se rencontre, nous sommes des frères d'âme. Quand vous m'écoutez, vous êtes sûr que vous me connaissez. Vous ne savez pas comment. Vous savez quelque chose. Donc, on se connaît déjà. Là, maintenant, on se connaît sur les réseaux sociaux. Il y aura une autre dimension maintenant où on va pouvoir physiquement dealer ensemble. Mais ça viendra en étapes. Mais en attendant, ce sont ceux qui se sont déjà libérés ou qui ont la volonté de se libérer qui pourront avoir la récompense, si on peut appeler ça comme ça. Grâce divine, bonjour. Beaucoup se sont éloignés. Certains te lancent des mots sans raison. Ça, c'est ce qu'on appelle side effect. Effet secondaire. Pas négatif, hein? Je ne pense pas que c'est négatif vraiment. Si tu avais des personnes qui n'étaient pas de la même vibration que toi, et parfois même elles choisies aiment souvent rester avec les gens pour leur faire plaisir. Les choisis aiment prendre des fardeaux.
et choisir de prendre des fardeaux sur eux. Ouais, c'était ma copine, ma meilleure amie depuis 15 ans. J'ai ma meilleure amie comme ça en Angleterre. À une époque, on parlait beaucoup. Elle ne m'a jamais jugée quand j'ai commencé à accepter mes traditions. Elle est de la Sierra Leone, moi je suis du Cameroun. On s'est connus à l'église. Et quand je suis rentrée en Afrique, j'ai commencé donc... J'ai été appelée, j'ai commencé à faire ce que je fais là. De plus en plus, on a commencé à se séparer. C'est venu naturellement. Et au fil des années, je sens l'écart se creuser encore plus. Par exemple, l'autre jour, je crois tous les 6 mois, on parle. On a peut-être de longues conversations. Elle me donne un résumé de sa vie. Je lui fais pareil pour moi. Et la dernière fois qu'on a parlé, elle est dans un mariage qui ne m'arrange pas particulièrement. Avant, je supportais ça. Mais là, ça fait 12 ans, il n'a pas changé. Elle avait lui depuis 12 ans, il n'a pas changé. Donc, la dernière fois qu'on a parlé, on ne voyait pas trop de quoi on allait encore discuter. Parce que le fossé était déjà trop clair. Vous allez voir que vous allez commencer à vous libérer des fardeaux. Vous allez commencer à faire ce que vous voulez faire. Et le fait que vous voulez, que tu veuilles faire quelque chose, tu fais. Ça ne va pas généralement arranger les gens autour de toi. Parce que beaucoup de personnes autour de nous sont toujours sous l'emprise ou la contrainte d'autres personnes. Voilà, habitude que tu supportes tout le monde. C'est comme une prise en charge. En fait, ce qui fait que j'arrive à facilement me détacher, c'est que je me dis toujours, si je reste ici, je vais crever. On mourra tous d'un jour. Mais je vais crever de... J'ai déjà eu des relations où j'ai été et j'avais l'hypertension. J'ai des relations amoureuses où j'étais. La personne me stressait tellement. Moi, du haut de mes 30, combien d'années? J'ai 36 ans. On te dit à 34 ans, 35 ans que tu as l'hypertension. Et quand la personne sort de ta vie, ta santé revient. Je ne peux pas mourir, moi. Je ne peux pas mourir parce que je suis avec toi. Et il y en a parmi nous, on ne détecte pas. On accumule et on se fait des cancers, diabète, juste parce que on prend sur nous de supporter. J'ai compris un jour que si je meurs, et récemment en avril, quand j'ai été opérée, l'opération a failli ne pas marcher. Le docteur, quand on rentre en salle d'opération, il me dit c'est 45 minutes. Il a fait 3 heures de temps sur moi. Et il ne voulait pas paniquer parce que j'étais éveillée. Il faisait une césarienne. C'est après, quand je sors de la salle, qu'il me dit que comme je te parlais pour que tu ne dormes pas là. C'était critique. C'est quand je suis sortie de l'hôpital que... Non, je prends soin de moi, oh, ne vous dérangez même pas. Hein. Ne vous dérangez pas. Je suis sortie de l'hôpital et que si je mourrais... si je mourrais, n'est-ce pas ce que vous êtes vivant, ce que vous avez fait Noël sans moi, non? N'est-ce pas? De mourir, tu vas voir comment tes gens vont vivre. Ton mari, à l'enterrement, il y aura une femme à te le consoler. Pensez parfois aux enjeux des choses. Pensez aux enjeux des choses. Si je ne suis pas en santé, je ne suis pas vivante, je ne peux pas vous aider.
l'hypertension. Hier, il te parlait, j'avais oublié l'hypertension. Je vais inclure les facteurs dans mes... je vais inclure ça là-dedans. Parfois, on oublie d'où Dieu nous a sortis. Je suis quelqu'un d'abord, très sportif. Je mange très sain. Très. Je ne bois pas d'alcool. Même les jus, même, je ne bois pas. Mon alimentation, donc, je sais ce que parfois vous dire même. Les affaires de cube, là, je ne mets pas dans ma nourriture. Je mange toujours bio. Donc, j'ai tellement de choses, généralement. J'ai toujours ma cuisinière. Pas de cube dans ma nourriture. Pas d'excès d'huile. Des choses comme ça. Je prends tellement soin de moi. Et quand je suis dans une ville où je sais que je ne suis pas, je n'ai pas de cuisinière sur place, je pars toujours dans les meilleurs restos pour acheter ma nourriture. Pas que meilleur resto bien cuisiné, pas meilleur resto gras. Quand tu réalises que si je m'amuse et je meurs, premièrement, je n'aurais pas accompli ma destinée. Deuxièmement, les personnes, parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes entourés de personnes qui prennent notre énergie. Ils sucent notre énergie. Les problèmes, depuis ce matin, il est 7h45. Tu as d'ailleurs fait moins, vous engueulez déjà deux fois. Entre 4h et 7h45. Toute la journée, tu sors. Pensez-y. Parfois, on prend des décisions et je me suis rendu compte en faisant ma propre introspection que j'avais ce truc-là. Tu vois, quand tu veux sans cesse que les gens t'aiment, tu veux te rabaisser pour qu'on t'aime. Tu veux donner tout ce que quelqu'un veut pour que la personne t'aime, même mes propres enfants. Je me suis rendu compte récemment que mes enfants me manipulaient. J'ai coupé, j'ai donné le boulot de chacun. Que tu fais le travail, c'est là, l'entreprise te paye. Tu ne fais pas, on ne te paye pas. Vous allez voir que beaucoup autour de vous, vous manipulent. Quand je suis à l'étranger, il fait 3 semaines, mes filles m'écrivent, oh oui, bonjour maman, tu vas bien? Oui. Maman, je veux ça. Ok, on va te donner. Bye. Elle m'a encore fait 4 jours. J'ai dit, ah, c'est une vidéo. Ok. Voilà ton travail dans l'entreprise. Si tu travailles, on te paye. Maintenant, ils font souvent les bails une semaine sans m'écrire. J'ai dit, ah, c'est super. Oh Seigneur. Analysez juste. Tu as bien parlé, Lisette, sur toutes les filles. Il y a quelque chose en nous qui fait que on veut faire plaisir aux gens parce qu'on se dit, s'ils sont contents avec nous, ça veut dire que je suis une bonne mère. S'ils sont contents. Ah, si ma fille m'écrit. Eh, oh maman, je t'aime. Même les je t'aime de mes enfants sont calculés. Donc en fait, les gens m'ont tellement fait ça dur que quand quelqu'un vient m'accompagner mais trop gentil, je me demande que. Non, Weti, c'est quoi toi? Tu veux quoi? Papa, quand tu viens, tu veux quoi? Dis-moi, tu veux quoi? Vous faites ça. Non, Lisette, je connais mes enfants. Je les ai accouchés, non, je les connais. Je les connais. Parfois, pour compenser pour notre absence, ça, c'est les gens qui ont un peu de moyens, qui vont peut-être comprendre ça. Tu sais, peut-être, tu es en Europe pour travailler, pour envoyer pour t'occuper de tes enfants. Et tu as l'impression que quand ils veulent un truc, tu leur donnes rapidement. Oui.
Vous avez bien dit, non. Le schéma, c'est quoi? Ne m'embrouille pas. On les connaît, non? Hé, hey, la mère! Pardon. Tu veux quoi? J'espère que vous comprenez le fond de ma pensée parce que moi-même, récemment, j'ai dû... En fait, j'aime beaucoup faire mes analyses personnelles parce que je vous le dis encore, je suis très imparfaite. J'ai les défauts. Donc, parfois, il y a des gens qui voient mes défauts. Il dit que, yeah, Jocelyne. C'est très difficile de vivre avec moi. Très. La majorité des influenceurs avec leur famille, ils ont un peu de la peine. Ils finissent par un peu se fermer, un peu genre... Parce que la famille, parfois, s'attend à ce que tu sois le même. Or, quand tu grandis et tu commences à prendre de l'influence, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Peut-être on ne te respectait pas dans ta famille. Mais les gens commencent à te respecter dehors. Tu fais de tout dans la vie des gens, ça les aide. Tu fais une chanson, les gens aiment. Ils commencent à te dire, waouh, vraiment, tu as fait ça, ça m'a aidé. Oh, ta soeur te connaît seulement que c'est toi, non? Ah, ah, n'est pas seulement toi. Donc, du coup, à un moment, tu dois choisir. Soit je coupe ma famille pendant un moment pour rester dans mon image de qui je suis. Je suis une femme puissante. Parce que ma famille ne me l'a pas dit. Ma famille ne me l'a pas montré. Et justement, happy, stricte et méfiante, je suis stricte. Et c'est fou parce que je crois parfois que je suis trop stricte. Jusqu'à ce que j'ai quelqu'un à côté de moi qui vient encore. Il m'extorque des choses ou bien il abuse. Et je ne comprends pas en fait. C'est une autre personne qui vient de l'extérieur me dit que, regarde, j'ai une de mes tantes, elle a deux enfants. Sa première fille s'est mariée. Et la maman a l'argent, hein. Donc, elle et son gars, s'ils ont un petit problème, ils appellent la mère donne. Ils ont un petit problème, ils appellent la mère donne. Tu sais de quoi tu parles? Car je suis de ceux qui n'ont jamais tort ou de regret lorsqu'ils posent une bonne action. Ah, merci pour ton commentaire, Harvey. Tu regardes, ta fille elle est à 7 mois. Hein? Oh, je me rappelle quand tu venais d'accoucher. Bonjour le bébé de grâce. Donc, je parlais de cette maman, non. Donc, sa première fille qui approche la quarantaine, vit encore à ses dépens. C'est maintenant qu'elle me rend compte. Vit à ses dépens et son mari. Son deuxième enfant, qui a déjà passé la trentaine, ça a toujours été maman en fait. Et l'autre jour, quand je me rendais compte de ça, je me disais, mais waouh, comment est-ce qu'on en arrive là? Le fait qu'une maman, tous les enfants, hein, donc financièrement, c'est elle qui s'occupe de ses enfants, de ses petits-enfants. Mais les enfants que lui, il a fait dehors, elle s'en occupe. Un jour, j'ai eu une conversation très dure avec son fils. Il dit, mais attends un peu. Qui s'occupe de ta fille? Ah, c'est ma mère qui fait dit, what? Et tout ce que toute la satisfaction qu'elle tire, c'est que ce sont mes petits-fils. Ce sont mes petits-fils, non? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous allez trouver que c'est anormal. Mais elle qui se fait utiliser... Émotionnellement, est-il une satisfaction de leur... Oh, merci, maman. Certains, même, c'est arrivé à un niveau où ils ne te remercient même plus. Croyez-moi, le chantage émotionnel, c'est une réalité qu'on subit. Victoire, tu penses qu'elle ne leur rend pas service? C'est aussi mon avis. Mais ce n'est pas notre argent, nous deux, non. Ce n'est pas notre argent, non. Mais elle le donne avec plaisir. Je ne sais pas si vous voyez un peu le twist.
Oui, parfois, ça devient une obligation. Parfois, la personne en te demandant t'appelle. Tu donnes ou tu ne donnes pas. Ah! Que quoi? Tu donnes ou tu ne donnes pas. J'ai eu ça. J'ai eu un punk comme ça. C'est quand je suis sortie de cette emprise-là que je me suis dit, wow! Donc, c'est pour ça que le punk là me traitait. Et à un moment, ça a commencé à devenir visible par tout le monde. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Moi, je ne voyais pas. Le punk était comme mon enfant, genre, maman, je veux ça. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Je dis d'abord que non, après je reste comme ça là. Il dit, ah. Tu vois, le punk se fâche. Après ça, il dit que bon, dès que tu envoies, bonjour mon bébé. Waouh, ça c'est super. Tu es éclaté en route. Tu éclates trop. Noëlla, tu éclates trop. C'est quoi? C'est ce qui fait que souvent tu n'arrives pas à rester seul. Et parfois, tu te dis, au lieu d'attendre, et ces personnes n'utilisent que le vide qu'elles ont trouvé dans notre cœur. Il y en a parmi nous, on a grandi avec un vide émotionnel. Peut-être papa n'était pas là. Peut-être on a toujours senti que papa ne nous aimait pas. Et on grandit donc, on essaie de trop gâter nos enfants pour avoir un amour de leur part. Ou on trouve un homme ou on trouve une femme et on gâte la personne excessivement. Pour que la personne en retour nous donne de l'amour. En fait, en gros, on achète l'amour, quoi. On supporte les manières de la personne, toujours pour acheter l'amour. On supporte les caprices de la personne. Tu sais ce que ça fait quand tu sens que quelqu'un t'aime? Quand tu crois que quelqu'un t'aime? C'est comme ça te donnait des ailes. En vous parlant comme ça, je trouve quand même que c'est dommage. Et il y a des personnes parfois qui croient être amoureux de toi, mais ils sont amoureux de ton argent ou de ton système de vie. Ou ils sont amoureux des avantages que tu leur donnes. C'est un fait. It's a fact. It's a fact. Tu es amoureux de mon rythme de vie, mon gars. Tu es amoureux de ma belle voiture, ma chérie. Parce que tu entres dans ma Mercedes. Les sièges chauffent. Tu as la belle musique de Fally qui joue. Je te mets sa main là. Tu es amoureuse des restaurants où je t'emmène. Tu es amoureuse du style de vie que je te donne. It's a fact. Restons sur les faits. C'est malheureux, ça fait mal, mais c'est ça. Le vide émotionnel crée la dépendance affective, ce qui est dangereux pour celui qui veut à tout prix être aimé. Vous savez quoi? On parle. Je sais que beaucoup d'entre vous avez dit que je n'ai pas ça. Moi, je ne suis pas comme ça.
quel niveau est-ce que l'amour ne s'achète pas? Parfois, je reste... Il y a eu des jours, je me suis dit, si ça s'achète, laissez, j'achète. Je dis, quelle est la caution? Je parle mal aux gens, non? Je présente une autre image aux gens sur la toile. Écoute, peu importe ce que tu as vu de moi en privé. Privé comme ça, là, ma bouche est la même. Ma bouche est la même. Tu as compris? Ma bouche est la même. Tu comprends? Peut-être c'est une personne qui a voulu m'exploiter, qui est venue arrêter de parler comme ça, là. Si seulement tu ne te cachais pas, ça aurait été super. Ça aurait été super. Généralement, c'est la pauvreté qui vous ronge avant que vous deveniez aigri. Donc, je te dis au revoir. She never really loved me. It's my lifestyle. Oh, c'est un peu ça là. Je peux dire que c'est la peur. C'est la peur de certaines personnes qui ont déjà, qui ont creusé pour arriver quelque part. C'est la peur de ces personnes. Croyez-moi, quand vous me côtoyez, je ne suis pas différent de ce que je vois ici là. Quand ça ne va pas, je bavarde. Donc si quelqu'un arrive à rester sur ma page jusqu'à suivre mon direct du début à la fin, c'est qui peut tenir ma bouche. C'est ouvert. Ok. Je vais vous dire le petit chantage que subit souvent des gens qui arrivent à côté de moi. Si quelqu'un arrive à côté de moi, il me suit sur ma page, il vient, il veut travailler pour moi. La chose à laquelle la personne s'attend, c'est que je sois à ses petits soins. Je la consulte. J'ai une comme ça qui est arrivée une fois, que je la consulte quand elle veut. Si elle dort la nuit, le serpent la pique ici, là, dans le rêve, elle va venir, elle ouvre ma porte. Ouf, j'ai mal dormi. Elle s'attend à cela. Je ne suis pas comme ça. Dès que vous travaillez pour moi, je ne vous vois même pas. Écoutez, j'utilise toute personne qui est autour de moi. Je peux t'utiliser pour le chocolat. Je peux t'utiliser pour que tu me donnes à manger. Je peux t'utiliser pour que tu fabriques des choses dans mon entreprise. Je peux t'utiliser. Et pour moi, c'est clair au départ avec toi. Si tu viens et te dis que voilà le salaire que je te donne. J'aime moi ça. Et je ne m'en excuse pas. J'ai eu une comme ça l'année passée. Elle était même dans le groupe. Le jour, et elle avait toutes les tendances qu'elle arrive. Je lui mets les superviseurs. Elle veut tout revenir vers moi. Je lui dis non. Vous avez les managers dans mon entreprise, vous avez les superviseurs. Ce sont eux qui vont te punir. Et quand on entre dans mon entreprise, si tu n'entres pas avec les compétences, tu entres en bas de l'échelle, tu montes. Quand tu entres, le salaire est compris. Je te dis, on s'entend d'abord. Hier, j'en parlais avec une amie avec qui je veux qu'on veut commencer à faire des collabs. Je lui ai dit, on est déjà amis. Et la faute que j'ai remarquée, que j'ai faite dans le passé, c'est que dans mes relations amoureuses, professionnelles, amicales, quand on devait mettre une autre dimension, je ne m'asseyais pas pour voir toutes les clauses avec la personne. Toute personne a une attente financière dans la vie. Je ne peux pas te prendre, je te dis viens, on va en vacances pendant 2 semaines. Pendant les deux semaines là, tu as besoin de manger. Même si tu as le chocolat, il te dit que viens, je te paie le billet d'avion, tu atterris là où je suis. Demain, tu as besoin de manger. Demain, tu as besoin d'argent. Même. Si tu n'as pas tes économies, si tu n'as pas ton activité qui te donne de l'argent, si on ne s'est pas entendu que si tu restes ici, c'est moi qui te nourris exclusivement. À un moment, un d'entre nous va commencer à voir l'autre mal. Automatiquement. Et avant, je mettais toutes les émotions au départ. J'ai des amis que j'ai perdus comme ça. En un mois, j'ai perdu 2 bons amis. Bien sûr, les deals avec ces amis-là, c'était dans la rangée de moins 40 millions. On est amis, oui, ça, c'était, on est amis de 2-3 ans, c'est bien. Je sais que tu es une personne bien. Tu sais que je suis une personne bien.
On ne fait pas de contrat, on ne met pas du si, on ne fait rien. On commence. Tac, tac. Je sors l'argent comme, oui, on fait ça, c'est bon, oui. Demain, quand ça ne marche pas comme toi, tu avais prévu. En tant qu'ami, tu vas me raconter tes problèmes. Mais tu oublies que j'ai mis mon argent sur ce que tu dis maintenant que c'est un problème. Voilà là où l'amitié se gâte. Ce sont des erreurs que, par la grâce divine, il ne commettrait plus. Même le chocolat. Tu es un chocolat. Même le chocolat, c'est le business. Venez, vous dites. C'est pour ça que quand vous sortez avec les hommes, oh, ils ne me donnent pas l'argent. Ils ne me... Au départ de votre relation, vous vous êtes entendu que quoi? Je peux sortir d'un background, toi tu sors d'un background. On n'a pas les mêmes croyances. Pour moi, l'homme est censé faire ça. Pour toi, la femme est censée faire ça. Moi, en tant que femme, j'ai une vision de ce que je suis censée faire à la maison et une vision de ce que toi, tu es censée faire à la maison. Je te rencontre. Toi, tu viens avec tes croyances. Ah, mais je m'attends à ce que la femme fasse comme ça, je m'attends. Vous commencez la relation. Vous commencez, mieux, vous partez au lit. Puis, vous faites, c'est bien. Il y a les gens ici là que vous êtes séparés alors que vous vous aimiez. Mais les clauses n'étaient pas bien déterminées. Les clauses n'étaient pas bien. Vous êtes en instance de divorce. Tu l'aimes, il t'aime, mais vous divorcez. Tu parles de quoi? Parce que tu sais que là, ça, je ne ferai plus marche arrière là-bas. Je ne rentre plus là-dedans. Et en tant qu'Africain, on fuit beaucoup la conversation. On n'aime pas parler. Quand on commence à évoquer un sujet, c'est parce que ça vient de nos parents. Nos parents n'aimaient pas parler des choses. Et avec nos enfants, on n'aime pas parler des choses. Hein? Le jour où ma fille a eu ses règles, oh, je vois la petite dans mon bureau. Déjà, quand elle était en puberté, oui, maman, je vais l'amener faire les soins de visage. J'ai dit, non, laisse, c'est mes boutons de puberté. J'ai dit que, mais à mon époque, on ne disait pas les choses comme ça. Maman, tu as fini le direct? Oui, je veux te parler. Elle s'assoit. Maman, j'ai eu mes premières règles aujourd'hui. Hein. Oui. Quand elle a eu son premier croche, oui, maman, je peux te parler. Il y a un gars à l'école qui me plaît. Oui, il s'appelle, je lui pose des questions, elle me dit, moi, à mon époque, hey, hey, hey. Je ne sais même pas où je trouve la grâce pour ne pas la frustrer quand il vient me dire des choses comme ça. Il lui demande seulement que quand il te regarde à l'école, tu fais comment? Mais après, maintenant, après avoir écouté comment elle ressent, c'est ce qu'elle ressent. Après avoir écouté son ressenti maintenant, je lui dis quelles doivent être ses priorités et comment elle peut se comporter si ceci, ceci arrive. Nos parents ont fait, on a enfoui les choses. Te voilà, tu as 35 ans, hein? Tu n'oses pas présenter ton gars à ta mère. Ah, 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 ah. Ma grande fille de 18 ans, son gars était dans une autre ville. Souvent, il venait chez nous. Quand il venait, il dit que non, ne vis pas ailleurs, reste une fois à la maison. Moi, quand maison que venait chez moi, il voyait ça, il pouvait devenir fou. Que c'est quoi que tu permets comme ça là? Il dit que vous voulez que l'enfant parte dehors. De toutes les personnes, elle va sortir pour aller le voir. Moi, elle sortait quand elle avait 16 ans. Je sortais et partais. Donc, ça fait qu'on est. Tu rencontres un homme. Tu n'aimes pas poser les bases. Non, moi, j'étais trop... Je ne sais pas comment ma tante qui m'a éduqué, je ne sais pas comment elle a fait pour s'en sortir avec moi. Yeah! Tu donnes à quelqu'un 8 millions d'arrêter, 1 million disparaît. Tu as d'abord donné pour... Yeah!
connaît le tout. Waouh. Waouh. C'est fou comment les gens se sentent sur notre argent, sur nos biens. Chi. Oui, que je ne cause pas avec les enfants, je fouette. On m'a trop dit ça. Tu tombes enceinte, tu sors. S'il vous plaît, parfois je fais cette conversation dans mes directs pour que vous puissiez un peu repérer. C'est hier soir, quand je parlais avec elle, que je me suis rendu compte que, en fait, je suis la raison pour laquelle j'ai souvent les problèmes dans mes relations. Au départ, je préfère encore qu'une union ou un accord ou un deal soit retardé. Le temps qu'on mette tous les points sur les i, on relit, on envoie à quelqu'un, il relit. Donc, on s'assure que tout ça est bon avant de faire. Parce que quand c'est comme ça, il n'y a pas d'attente qui n'est pas dans le contrat. Ça t'épargne le gourmet, ça épargne le malentendu, ça épargne que tu t'investisses. Parfois, tu t'avances dans quelque chose, tu es déjà tellement impliqué que c'est trop tard. Et tu dois vivre avec les contraintes de tes décisions. Il y en a parmi vous, vous avez fait des enfants. Là, tu dois vivre jusqu'au reste de tes jours avec l'enfant là. Il est là, non? Son père a disparu. Si tu étais intelligent, si tu avais mis ça sur mettre, tu aurais pu réfléchir et mieux voir. Commencez à faire cela. C'est pour ça que quand les gens arrivent sur ma page, ils voient que je suis trop direct. Ça les énerve. J'ai une célébrité qui m'a contacté récemment. Elle a payé l'entretien. Après ça, elle dit qu'elle va passer à l'autre étape. L'erreur que j'ai faite, c'est de faire qu'elle ne passe plus par mes secrétaires. Deux fois, elle me contacte. Elle me fait interpréter un de ses rêves une fois. La deuxième fois, elle me demande un conseil, je donne. Et au départ de la conversation, je n'avais pas mis les clauses. Je finis, elle dit que bon, je vais payer. Elle ne paye pas. Je n'ai même pas dit besoin de dire le nom ici. Mais c'est quelqu'un que tout le monde entier connaît. Après, je reste au regard, je dis, oh! Les clauses de départ. N'importe qui te ferait ça, me ferait ça. Donc quand il dit peut-être à quelqu'un, quelqu'un arrive, oh aide-moi, aide-moi. Je suis dans le direct ici tous les jours, au moins 2 heures de temps par jour pour aider. Et si quelqu'un vient dans ta vie, il ne comprend pas tes boundaries, tes limites, tes barrières. Ce sont des barrières de protection. C'est comme si tu mettais la capote. C'est une protection. C'est pour protéger ton cœur. C'est pour protéger ta confiance en soi. Parce que quelqu'un peut venir, les clauses ne sont pas bien mises. Après, tu commences à dire, peut-être que je suis une mauvaise femme. Peut-être que je suis mauvaise mère. Peut-être que je suis... Peut-être que c'est moi. Peut-être que... Alors que c'était la personne de départ. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce qu'au départ, et quand vous avez déjà... Il y a des contrats qui... Il y a des contrats dans lesquels tu es. Tu n'avais pas bien mis le départ. Maintenant, quand je dis ceci, tu vas peut-être vouloir te dire, ok, pour rectifier les choses, ça peut te demander beaucoup. Tu vas peut-être payer beaucoup. Supposons, tu allais t'engager quelque part, que je vais payer ton loyer pendant 6 mois. Et tu es au deuxième mois. Tu as déjà signé. Peut-être pendant 4 mois, tu vas encore payer. Mais quand tu payes là, tu es en train de payer ta liberté. Tu es en train de payer ta liberté. Parfois, le prix à payer pour sortir d'un trou dans lequel tu es parti te mettre, paye-le.
La douleur des paiements là, ça va te rendre sage. Ça va te rendre sage. Je ne sais pas si vous comprenez. Gloire, victoire et libre. Tu as bien parlé. Mais d'abord sage. Parce que quand tu es sage, ta liberté va s'acquérir. La sagesse, c'est de faire ce qui est... Ce n'est pas de savoir ce qui est bien, mais c'est de faire ce qui est bien. La sagesse, ce n'est pas que je connais. Il y en a parmi vous que vous êtes retrouvés dans des situations compromettantes ou compromettantes. S'il fallait conseiller quelqu'un, tu allais conseiller la personne de faire l'opposé de ce que toi tu as fait. Mais tu es parti, tu as fait. Tu n'étais pas encore sage. Tu connaissais, mais tu n'appliquais pas. La douleur du prix que tu payes, les années perdues, l'argent perdu, les enfants, peut-être que tu dois les prendre. Il y en a parmi vous, le monsieur est parti. Tu te retrouves avec trois enfants. Tu les aimes, certes, mais voilà un résultat que tu vas porter sur toi pendant des années. Alors, tu es déjà là, hein? Ok, j'ai déjà commencé les transferts. Je viens dans 10 minutes. Merci. Vous blaguez. Paye ce qu'il faut. Paye. Mais avance. Pamela, apprendre de ses erreurs, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas tout le monde qui apprend de ses erreurs. Pas tout le monde. Et je pense quand même que il est temps que dans notre vie, qu'on apprenne à penser de façon lucide. La vie n'est pas si longue que ça. Hein? Comme les blagues, tu vas bientôt avoir 40 ans. Comme les blagues, tu vas bientôt avoir 50 ans. La vie n'est pas si longue que ça. Ok. Donc, merci d'avoir regardé. Hein. J'espère que ce que j'ai dit, ça va vous permettre de recentrer vos choses. Parce que c'est ça le but pour moi. Voilà. Donc, je vous souhaite une superbe journée. Et pensez, quand on a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, les enfants d'Israël souffraient tellement en Égypte. On les sort de là, ils sont dans le désert, ils ne souffrent pas autant qu'avant. Mais là, ils sont en train de dire, autant mieux qu'on rentre. Moi, ils vont rentrer là-bas.
On me mettait dans la prison le soir, mais au moins j'avais la nourriture. Résister à l'envie de rentrer en arrière. Et je me parle à moi-même. Bisous à vous. Que leur bouche sortait sur Dieu et Moïse. Vous allez réussir cette année. Vous allez devenir votre meilleure version. Vous allez devenir votre meilleure version. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Même si tu es seul dans ta maison, tu es la seule dans ta ville à croire en toi, tu vas croire en toi. Tu vas tenir. Ton magasin va tenir. Tu vas payer tes dettes. Tu vas arriver à payer ton loyer. Tu vas payer tes employés. Tu ne vas pas appeler l'homme là pour qu'il paye ton loyer le mois-ci. Pour oublier facilement un homme, ou bien, je ne sais pas. Je me dis toujours que si l'homme était mort, s'il était mort, je ferais quoi? Gogo, le père de mes enfants, le père de mes enfants. Si le père de tes enfants mourait, tu ferais quoi? Tu vas aller dans sa, devant sa tombe demander l'argent. Il ne s'occupe pas des enfants. Fais juste comme si ton ex là était mort, tu allais appeler qui? J'avais un ex là que tous les 2-3 ans, quand ça allait mal dans ma vie, je le contactais, il m'envoyait l'argent. Il est mort récemment. Qu'est-ce qui va se passer? C'est mort! C'est fini! Tu tues ça une fois dans ta tête. Non, TikTok, le flow de TikTok parfois dérange beaucoup. Les gens de TikTok viennent avec trop de questions. Ici, là, vous êtes un peu canalisés. Oui. Aimez-vous comme vous êtes. Je sais que les gens me détestent, mais ça ne me dérange pas. Je ne peux pas plaire à tout le monde de toutes les façons. Mais je préfère être dans ma mission de vie et avoir mon argent. Et on me déteste. Si je ne m'aime pas, il n'y a pas de problème. Parce que même quand tu m'aimais là, tiens, par exemple, avec l'amour, tu me donnais l'argent. Ta voisine qui t'a, que tu veux qu'elle t'apprécie là, est-ce qu'elle t'apprécie chaque matin, elle te donne l'argent? Pourquoi est-ce que je chercherais votre approbation? Et de temps en temps, vous aurez les tentations de retourner en arrière. De temps en temps. De temps en temps. Ça va un peu revenir. Comme ça, là. Tu fais comment? A snap out of it. Bye. Ma voiture est déjà là. Give me something I need faith. Faith to receive you. Faith to believe you. Hey! Je vais porter ma robe aujourd'hui. Only me and you. Only me and you. Only me and you, only me. Make me a matter, make me a matter, make me a matter. Maman, hey, la vis là, hey. Coucoulou. Quand elle porte ça, je suis comme, regardez. Jesus. Show me a substance, show me a substance. Show me your substance. Give me one thing I need, faith. Faith to believe you. Ah, j'ai un rendez-vous, j'ai un bon rendez-vous aujourd'hui. Je crois que je vais porter ça. Only me and you. Only me and you. Woo! Only me, only me. J'ai certains exticons là qui regardent souvent mes directs. Quand vous me voyez chanter dans le direct comme ça là, je suis sûr que ça ne vous plaît pas.
Il n'y a pas à l'attaque, non. Toi-même, tu n'attaques pas. Dormez. Il n'y a pas à récolter l'argent, mamie. I don't sleep, oh. I do not sleep, oh. Et on signe les contrats, vous êtes dans la maison, vous réfléchissez sur les chocolats. Chocolat Hakaba. Eh? Chocolat Hakaba. Woko, grand maître, témoignage du grand maître. Attends, il te chasse. Tu peux même pas dire que mon habit est beau avant de venir mettre tes faux commentaires là. Mof. Bonne journée à vous.